fil des ans, Karaïm a tissé un lien particulier avec le Festival de Cannes. C'est sur la Croisette que le comédien, aujourd'hui âgé de 36 ans, est né professionnellement. C'était en 2009, avec la présentation de Un prophète de Jacques Audiard, qui lui vaudra l'année suivante le César du meilleur espoir masculin et du meilleur acteur, ainsi que le prix Lumière. Dans ce deuxième épisode de notre programme Espace Croisette, en partenariat avec Renault, Taharaïm évoque sa volonté, ces derniers temps, de tourner des premiers films issus d'une génération de jeunes réalisateurs à l'éducation cinématographique différente. Il aborde également ses projets, partir à la suite de sensations françaises et internationales, en allant vers des réalisateurs étrangers, pourquoi pas asiatiques ou africains. Découvrez ci-dessus notre interview de Taharaïm. Pour découvrir le premier épisode d'Espace Croisette, vidéo, Morgane Polanski, J'en veux toujours plus, je serai comblé le jour de ma mort /